Hey les bros, on se retrouve, nouvelle vidéo, c'est Remy Joe, what the fuck nigga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous remercie pour la vidéo Ramadan, qui a bientôt 20 000 vues. La vidéo, le tacos, qui a dépassé les 1500 likes, vous êtes des malades les bros, je vous kiffe. Je vais bientôt pas tarder à retourner la vidéo pour faire le gros tacos aux 3 galettes. Mais là aujourd'hui, dégustation les bros, dégustation assez spéciale, c'est parti la famille. Là on est en pleine canicule, caniculaire, canicule bro. Je suis dans ma voiture avec la clim, 40 degrés là dehors. Je suis en face de Viva Market, ils ont fait la piscine là. J'ai vu ça sur Snap, je suis allé voir. Là on y est, on a tout acheté les bros. Je vais goûter ça vite fait dans la voiture parce que j'en peux vraiment plus, j'ai vraiment la dalle. Je trouve qu'on appelle ça des loukoums. Bon, avant de passer à la dégustation, je voulais vous remercier pour tout votre soutien. Les partages, les likes, les commentaires, les pouces. C'est ça qui fait avancer la chaîne, les bros. D'ailleurs, n'oubliez pas, une fois que vous êtes abonné, de cliquer sur la petite cloche en bas de la chaîne YouTube pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo pour être les premiers. Au passage, ma coupe, ce que vous en pensez. Et si cette vidéo atteint les 1500 pouces, je fais moi-même mes gâteaux, mes pâtisseries, que vous m'aurez imposé de faire. Bon, plus sérieusement, hein, on va conclure ce mois de Ramadan par une dégustation assez spéciale. Dégustation de gâteaux arabes, les bros. Ah non, stop. Plus sérieusement, dégustation pâtisserie orientale parce qu'il y a des âmes sensibles qui vont encore me dire blablabla. Pâtisserie orientale, les bros. J'envoie encore tout mon soutien à ceux qui ont fait le jeûne. J'ai fait moi-même mon expérience. J'ai failli crever au bout d'un jour, certes, mais j'ai pu partager ce que vous ressentez et j'ai pu vous apporter un petit peu de mon soutien. D'ailleurs, vous avez aimé mon soutien et moi aussi, je vous aime, les bros. Alors, j'ai essayé d'acheter un peu tout ce qu'il y avait. Et c'est parti pour la dégustation. On a déjà goûté ça tout à l'heure dans la voiture. Petit loukoum. Donc, un rouge, un jaune. Assez spécial, les bros. Loukoum. Loukoum. Ça va. Un petit peu d'eau, ça passerait mieux, je pense, parce que là... Allez, on va goûter des zlabia. Excusez-moi si je prononce mal. Zlabia. Zlabia. Après, je ferai un classement des meilleurs gâteaux que j'ai trouvé. Par contre, à la fin de cette dégustation, je crois que je prends 300 kilos. Bon, allez, ils appellent ça mini cigare. Mini cigare. Mini cigare. Alors ça, huile, graisse raffinée, de panne, de colza. Alors ça, là on est bon avec ça. Je prends ça avant d'aller à la salle, poteau. Ah putain, c'est excellent par contre. Ça pèse. On va goûter la base les mots. Baklawa. Une mini baklawa royal. Moi je voulais un gros baklawa royal. Alors celui-là. Celui-là. Voilà, il est bon. Quoi, je prends 300 kilos avec ces gâteaux. Petit croc pour le kiff. Voilà. Mange ça, frère. Je prends 300 kilos. Allez, on va goûter. Je sais pas comment ça s'appelle. Les Kadaif. Kadaif, Kadef. Vous me direz comment ça se dit en commentaire. Un gros gâteau énorme. Ça, si je bouffe tout celui-là, je deviens sédentaire à vie. Pas mal, mais c'est pas le meilleur. À chaque gâteau, je prends 100 g de glucides. Alors ça, franchement, faudrait inviter quelqu'un, on fait une dégustation maximum pâtisserie orientale challenge. C'est gros, je veux. Hein. Alors bizarrement, avec mes frères, on appelait ça tout le temps des macroudes. En fait, c'est des macroutes. Macroutes. Macroutes royales du désert, les gros. Regardez comparé à ma main, bordel. Quand tu prends ça en pleine gueule, quand t'es énervé après un gars, il balance dans la poire, mon gars. Il s'étouffe, le gars. Mais c'est des macros, sont énormes, ça. C'est. C'est énorme, hein. Ah, c'est de ma mère, elles sont meilleures, hein, voilà. Ça, c'est censé être la base, les macros. Alors, lui, il est hyper lourd. Hein. Et le carnage après la dégustation. Il envoie les snaps, là. Mais sur quel squat? Bien pensé, le tacos, bro, tu m'as donné faim. Yeah bro. Yeah bro. Yeah bro. Yeah bro. Peniscola bro.
Bon les bros, prochaine vidéo, j'ouvrirai tous vos snaps. Excusez-moi les bros, il fait 50 degrés. Bon, mon préféré, le baklawa, les cigares. Après... Non, en fait, j'aime tout, hein. Vous pouvez m'inviter, il n'y aura pas de reste avec moi. Hein. Bon, je connais pas la date exacte de fin de Ramadan. Certains disent que Google s'est trompé en disant aujourd'hui, samedi 24 juin. Il y en a qui disent c'est dans la nuit de dimanche, il y en a qui disent que c'est lundi. Et pour être honnête, hein, j'ai pas attendu de faire la dégustation, les gâteaux, ils m'appelaient. Hein. Mais ne jamais oublier que les religions, c'est sacré et qu'il faut les respecter, les bros. Parce que chacune d'entre elles offre une quête spirituelle unique. Et c'est ça qui est beau. Ça permet une meilleure vie. N'oubliez pas de vous abonner, de me proposer des défis, de mettre un like, de vous abonner sur la cloche, de commenter. Et pour les compléments, pour être musclé, les liens sont dans la description. C'était Remedio Pectoro, les bros. Je vous dis à bientôt et big bye.